Dans l'occasion du journée 25 mai, qui est la journée internationale des enfants disparus, la Fondation Zami Timoun a attiré l'attention de l'État haïtien sur le phénomène ça, qui a tendance à augmenter chaque jour plus. Il profite de l'occasion pour demander à l'État pour prendre la responsabilité. Depuis début année 2024, la Fondation Zami Timoun a constaté une augmentation cas Timoun qui a disparu. Et cas qui pressant que nous avons cité, c'est Timoun disant ça, Venedji Saint-Hiver, qui était disparaître dans le journée 26 mars 2024. Là. Mais le phénomène ça pas limité, malheureusement, à la frontière Haïti seulement. Dans la date 28 février 2024, là, la police dans le pays Guadeloupe a lancé avis, recherche. Pour Juneisa Ciara Aquilon, originaire d'Haïti, un petit monde qui a seulement 6 ans, qui était porté disparu le 2 février. Malheureusement, à date, nous n'avons pas gagné aucune information sur le cas de disparition. La Fondation Zami Timoun exige à l'État haïtien pour mettre en place une stratégie de prévention et de recherche. Pour tout le monde qui disparaît yo et bay bon gens information sur cas de disparition ça yo. Fondation Zami Timoun a lancé également un appel à tout secteur dans société haïtienne nan, pour engager yo dans lutte contre disparition Timoun.